Rebonsoir à toutes et à tous, j'ai eu une déco. Je tiens une déco depuis hier sur cette connexion et aucune idée pourquoi. Alors c'est bien parce que quand j'ai commandé cette connexion, j'ai pris, vous saviez, il y avait un truc 100 €, t'as l'assistance sur des jours ouvrables avec des heures de bureau, et genre 200 €, t'as l'assistance 24h sur 24, il se déplace chez toi en 4 heures et tout, c'est de la bombe, tu vois. Donc moi je lui dis, en général les connexions c'est de la merde, lésine pas, Zerator, fais pas le con, prends celle à 200 €. C'est ce que j'ai fait. Et donc depuis hier je chain déco, donc je me suis dit tiens je vais appeler l'assistant, c'est l'occasion et tout. J'appelle, répondeur. Je rappelle 3 heures après, répondeur. Je rappelle 3 heures après, répondeur. Je rappelle 3 heures après, répondeur. J'ai rappelé là pendant la pub, répondeur. Voilà. Donc c'est un numéro qui n'existe pas. Et donc c'est bien, je trouve ça bien. Donc je suis plutôt content. Donc je pense que, et donc depuis hier je chain déco vraiment, hein. C'est-à-dire que ça arrive vraiment assez souvent. Genre toutes les 2 heures à peu près j'ai une déconnexion, donc une vraie déconnexion. Et je ne peux rien faire pour régler ça. Donc à mon avis, ce live va plutôt mal se passer. Va plutôt mal se passer. Y a pas de souci, hein. Y'a pas de soucis. Donne le numéro, on spam. Non mais c'est. Comment vous dire? Vous êtes grave. Vous êtes grave. Non mais si ça se trouve, en plus, c'est parce qu'il y a de la friture sur ma ligne, ils peuvent rien faire et on pourra jamais le régler. Il y aura des drops à vie, hein. Ça arrive, ça arrive. Non, on n'est pas chez Free. Si vous pensez que Free fait des connexions à 200 €, c'est que vous avez mal compris le but de l'opérateur. Mais voilà. Zerator, t'as vu la cinématique de LOL? Oui, j'ai vu la cinématique de LOL. Cinématique extrêmement bien faite d'un point de vue scénaristique. Tout est extrêmement bien lié. Il y a des belles transitions. On comprend l'histoire et la moralité de cette vidéo. Non, je déconne. Bon, c'est une vidéo technique. C'est une vidéo de technique, c'est-à-dire d'animation pure, hein. Il n'y a pas vraiment de scénario, pas vraiment de lien entre les actions, les personnages, c'est plus des fights qu'autre chose. On dirait des trucs faits par des fans en fait, tout simplement. Enfin, faits par des fans, je veux dire, il n'y a pas de scénario et tout, donc j'ai trouvé ça assez assez décevant en fait. Après c'est toujours bien de voir les cinématiques et tout, le truc sur, sur TF est vraiment cool et tout, donc Fiddle aussi est pas mal. Mais niveau technique c'est cool, c'est assez bien animé, voilà. Hop. Hop. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah. Fuck my life. Un DDoS, ah non non c'est pas du DDoS, non non rien à voir. J'ai ça depuis hier et c'est indépendant. Enfin j'ai regardé, y a vraiment aucun souci. Ça vaut pas une cinématique de Blizzard, ah ça. C'est sûr que ça vaut pas une cinématique de Blizzard en effet. Mais merde, j'ai oublié de wall jump. Ah, c'est pas grave, c'est réglé. C'est pas grave, c'est réglé. Après, même si ça vaut pas une cinématique de Blizzard, je trouve que d'un point de vue animation, ça envoie quand même du très très fat. Mais on est loin du, on est loin de la gueule de Arthas à Wars of the Lich King par exemple, qui est l'une des meilleures cinématiques, je trouve. Enfin, l'une des plus belles. Voilà. Voilà. Hop. 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 Ah. Fuck my life. Fuck my life. Il a le studio. Ça veut dire quoi il a le studio? Ça ne veut rien dire. Mais non, il n'a pas le studio. Mec, est-ce qu'il a le studio? Oui. À Montpellier. Mais pas ici. Pas ici. Pas en ville. Enfin bon. C'est parti mesdames et messieurs. Quand ma vie s'achèvera, toi, tu seras roi. En effet, belle cinématique, très très belle cinématique. J'ai encore raté mon saut, je suis assez nul. Et voilà. Balance les dossiers sur Chips et Noix. Mardi, il n'y a pas de dossier. Hein. C'est juste vous raconter des trucs. C'est plutôt Chips en fait, pas Noix.
Je vous raconterai mardi, c'était très très drôle. Vraiment très drôle. On a beaucoup rigolé. Sur un truc en particulier. Enfin, je vous raconterai. Ce sera mardi. Oh, tiens, j'ai eu un lag. Oh, j'ai eu un lag, mais ça m'a pas fait tomber. Ça déchire. Et en plus, même pas de drop. Ça déchire. C'est parti. Voilà. Hop. Si un jour la vie est un chamois. C'est parti. Ouais, nickel. J'avance, hein. J'avance sur la carte. Je ne vous attends pas, bien sûr. Donc, voilà. Nice. Je suis passé le premier coup, vous avez vu? Incroyable, non? Extraordinaire. Hop. Oh mon dieu. Wow. Wow. Ouais, donc là, j'ai encore raté. Je pense qu'il y a moyen de le faire d'un coup, mais je sais pas trop comment en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? T'es allé où? Il y a un mec qui a fait n'importe quoi. Il y a un mec qui a fait n'importe quoi. Hop. Il faut sauter à la fin du skate. Ah. Je crois. Je ne sais pas. Merde. Fuck. Ça va prendre une heure. Il faut payer pour jouer un obstacle. Oui, ça arrive. Il y a des choses à payer, notamment... une clé CD de Shootmania Storm qui coûte 20€ dans les bons tabacs. Dans les bons supermarchés. Voilà. Non, je dis ça, mais il n'y a pas de version boîte. Tous les jeux les plus joués au monde n'ont pas de version boîte. Pourquoi Shootmania en aurait une? Je parle de League of Legends, évidemment. Même si vous savez que League of Legends a existé en version boîte. Tapez League of Legends Box, comme ça, sur Google Images. Vous verrez, les boîtes étaient assez marrantes. En fait, il y avait des bundles de héros dans les boîtes. Parce que là, vous vous dites, mais quoi, c'est un jeu gratuit, personne ne fait de boîte, ça n'a pas de sens et tout. En fait, donc là, j'ai pas réussi à passer le CB parce que je n'ai pas World Jump, en fait. Et voilà, il y avait un bundle de héros dedans. C'est cool, quand même. Moi, je trouve ça cool. Voilà. Voilà. Bon, je lag beaucoup, mais non, je lag beaucoup. Je sais pas, j'ai l'impression que le jeu n'est pas fluide. Le jeu n'est pas fluide, comme à son habitude. Faut pas sauter à la fin du skate. Si, si, mais je saute, hein. Enfin, je crois. Je crois, I believe. Mais vous savez, moi, les plateformes de skate, c'est pas trop mon fort, comme Nelson. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je vais faire ça. Voilà. Là. Tac. Tac tac. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, tac. Tac. Merde, là il fallait wall jump. Là il fallait wall jump. Et Zera, tes cheveux sont-ils de couleur cheveux? Si oui, les as-tu mangés? Alors non et non. Désolé. Ouais. Vous voyez, moi les plateformes de skate, c'est vraiment pas top. J'ai une très grosse config, mais je dépasse pas les 10 FPS sur Dragon's Prophet. C'est parce qu'il faut. Il faut allumer ta carte graphique. Avec le bouton on situé juste dans le ventilateur entre les pales 6 et 9. Voilà, c'est pour ça en fait. T'as compris? T'as compris, j'espère. Mais pourquoi je n'ai pas... Pourquoi il y a un mec qui a réussi tout à l'heure sans... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, on peut... Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut pas faire ça. Hein. On peut pas faire ça, catastrophe. T'as pas besoin de wall jump, Zerator. Je sais. Mais vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire et qu'on fait quand même pour être safe. Genre ça, vous voyez. Genre là, vous voyez ça. Ça, c'était pas la peine, mais je l'ai fait quand même. Comme ça, je meurs et je perds, en fait. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, regardez. Hop. Paf. Tac, tac. Tac, 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 tac. Ah. Voilà. 4 minutes 38. Alors c'est marrant parce que j'ai déco, mais ça a gardé mon... Non, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça a gardé mon temps d'avant.
Voilà. Hop, hop. Ah, tout à l'heure, j'avais pas fait ça. Tout à l'heure, j'avais grillé les deux d'un coup. C'est cool, ça, quand même. Voilà, 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 voilà. Oh, j'avais oublié. J'avais oublié, j'avais oublié. Je savais même pas qu'il y avait des boutons on-off sur une carte graphique. Eh bien, si. Entre les pales 6 et 9 de la des pales, en général. Des pales. Entre les pales 6 et 9 des pales, tout à fait, Zerator. Non, des ventilateurs, voilà. Donc, c'est exactement ça. Alors, pourquoi il y a un mec qui a dit j'arriverai jamais à faire le CP11? C'est quoi déjà? Ah ça! Oh mec! Parce que tu le fais à la visionnelle peut-être. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah, je vais pas y arriver. Ah ouais. Ah oui, mais après il y a ça, c'est vrai. Ah mais déjà si tu tombes ici mon gars. Là. Voilà. Là. Voilà. Bon, franchement c'est un CP facile. Bon là faut vite faire ça en fait. Ah non, j'étais pas full stamina. Ça ne marchera jamais. Ah si. Ah si. Rank 7. 7 sur 107. Ok, on repart. Mais là, je pense qu'il n'y aura pas assez de temps. Donc. Oh. Miam, 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 miam. Hop. Hop. Non mais le dernier CP, il suffisait que je le comprenne, hein. Vous savez, c'est... il est pas dur. Merde, oh merde. Là, je n'avais pas assez de stamina, donc je n'ai pas pu, évidemment. Je n'ai pas pu quoi. Je n'ai pas pu wall jump. Donc wall jump, c'est mursault. Je n'ai pas pu mursault parce que, parce que je suis nul. Regardez comme je suis nul. Ça se voit quand même. Ouais. Hop. 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 Choisir Castlemania comme map suivante. Quoi? Ah, j'ai plus de stamina, ouais. Ouais, si vous voulez, map suivante, Castlemania, pas de problème. Pas de problème, pas de soucis. Hop, hop. Nickel. Quel est ton prénom de famille? Mon prénom de famille, c'est Adrien. Voilà. Je sais pas si ça vous. Je sais pas si ça vous parle. La montagne, ça vous gagne. Oh, j'ai raté. Et youpi, on va retenter. Ah, raté. Et fuck my life. Fuck my life. C'est parti. Voilà. Oh. Bon, j'ai pas trop géré. Mais là, de toute façon, on est dans 2 minutes 40 à la fin de cette carte, mesdames et messieurs. Et voilà, on peut regarder un petit peu le classement. Donc, on a Kazika avec 3 minutes 27, un excellent temps pour cette personne. 3,58, 7,22, 8,2, 8,10, 9,29, 11,24, 14,27, 15,27, 19,19 et 25 minutes pour Noxer, bien sûr. Donc, 25 minutes pour Noxer, voilà. Au fond de cette boîte, chante les sardines à tweet, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et la sauce tomate. C'est dégueulasse parce qu'en fait, des sardines avec la sauce tomate, c'est pas génial quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous le voyez. Hop! Oh, bon, j'espère juste ne pas avoir de déco pendant le live League of Legends, parce que là, autant une déco à Shootmania Obstacle, bon, on en revient, on survit, vous voyez. Alors que une déco dans une game de LoL, on n'en revient pas et on survit pas, et votre équipe encore moins, j'ai envie de dire. Donc, évidemment, ce serait un petit peu dégueu, quoi, vous voyez. Gros malade, c'est délicieux les sardines à la sauce tomate. Bah, j'ai du mal à voir le goût que ça peut avoir. Mais si vous le dites, après tout. Ah, c'est plus facile de faire comme ça en fait sur ce CP. Mais c'est vrai que cette map est assez simple en fait. Hein. Honnêtement, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de temps. Je pense que j'aurais tryhard pour essayer de la. Attendez, je vais essayer un truc qu'on me dit depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut wall jump là. Et ça revient au même. C'est-à-dire que si je fais ça. Hop. Ah ouais! En effet,
Donc c'est vrai que là on gagne Mars. On gagne Mars temps en fait. En effet. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. What? Entre l'huile et les aromates. Vous voyez là, j'ai sauté. Et pourtant. Pourtant, rien n'y fait. J'ai sauté, hein. Cette plateforme de skate, vous m'avez vu sauter là. Et pourtant, rien n'y fait. Rien ne fonctionne. Donc dommage. Dommage, dommage. Ah bon, c'est la fin de toute façon. Oh 2, 1, time is up. Vous savez quoi, on va faire la pause maintenant, comme ça, on go dans le run direct après, donc à tout de suite.